Ouais poteau, moi je vois le mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma... En fait je sais qu'avant j'étais un chanteur. C'est tout. Vas-y chante. Ok. 2 secondes. Slow down, I just wanna see no more. Oh, do you know? Slow down, I just wanna see no more. Oh oui. Slow. Bon, viens, benga, benga. Oui, tu as dû oublier. Oui, oui, benga, benga. Hermano, hermano, hermano. Tu as dû oublier. Tu as oublié. Hermano, hermano. Oui. Tu as dû oublier comment on chante, c'est pas grave. Allez, viens. Mais j'étais un chanteur célèbre. Oui, oui, mais tu as oublié comment on fait, je pense. Bobby Valentino, slow down. C'est moi. Regarde oui. Ma carte d'identité. Oui, d'accord, d'accord. Ah non, mais j'en ai plus. Oui, hé, hey, hé, hey, Bobby Valentino. Oui. Qu'est-ce que tu veux, concrètement? Tu attends quoi de moi, là? Rien, je m'enfuis, moi. C'est toi, t'es venu m'attraper. Tu veux t'enfuir, mais hermano, ça n'a pas de sens ce que tu me racontes. Tu viens au barrio, tu me dis que tu as volé des bonbons, ça n'a pas de sens, cabron. Je te jure que c'est donne-moi une maison, Miguel, donne-moi une maison, donne-moi la poubelle, s'il te plaît. Faut que la poubelle, je dors dedans. Il faut que je demande à mon préfet, il peut pas faire ça comme ça. C'est qui ton préfet, ça, mec qui travaille dans la police? C'est L'Orio. Attends, non, mais non, on travaille pas avec les pollos, arrête, arrête. N'appelle pas le 17. S'il te plaît, Miguel. S'il te plaît, appelle pas la police, Miguel. Cállate, je vais pas appeler les pollos. Cállate, cabron, tu m'énerves. J'ai peur, tu comprends, j'ai peur. Mais bon. Bon. But you can hit me with a quarter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donne-moi une maison, Miguel, s'il te plaît. Ben écoute, tu peux rester ici en attendant que L'Orio il arrive, hein. Mais après, si tu veux rechercher pour des trucs un peu plus graves, les pollos ils vont venir au barrio et nous on va être niqués après. Tu es sûr? C'est pour les bonbons? Non, oui, bonbons, oui, je te jure. Ben écoute, oui, si tu veux. C'est. Y'a quelqu'un? Hermano! Eh, hey, Arturo! 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 Ah, y'en ai marre, hein. Écoute, moi, ben, viens, il va te prêter ma chambre, mais... Ah, toi, des habits? Non. Tu m'énerves. C'est bon, on range la pancarte. C'est bon, j'ai compris, tu veux une maison. Ok. Dors là si tu veux, hein, mais... Merci toi, Miguel, trop gentil. Il faut que tu trouves des nouveaux... T'es mon frère, Miguel. La gueule, il faut que tu trouves des nouveaux habits. Mais je sais pas. Je sais juste mettre ce pantalon orange, je crois. Oui, c'est possible. Mais peut-être pas. C'est pas grave, Miguel, c'est pas grave. Mais toi, on va devoir donner une maison, c'est gentil, Miguel. De rien. Moi, écoute, il doit faire un tour. Tu as un téléphone? Non, pas avoir téléphone, mais moi avoir acheté carte SIM après, d'accord? Ok, tiens, prends mon numéro, tu m'appelles si jamais il y a besoin. 57, 67, d'accord? Tu retiens, et après tu m'appelles. C'est bon? D'accord, Miguel, merci, Miguel. Super, allez, Bobby, fais attention, pas de bêtises, d'accord? Oui, merci. Au revoir, au revoir. Mais putain! Ah merde! Merde, pardonne! Ça va, Demi? Mais putain, mais plus je te vois, plus t'as de tatouage! Ah bon? Non, il est pas fait de nouveau. Viens, on va faire un tour dans ma voiture. Je suis en train de tenter de faire un bleu. Quoi? Ok. Attention, hein, bientôt ton corps il sera. Eh, mais aujourd'hui, toi, tu es borderline, hein? T'es un mec bizarre, toi! Non, 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 ah, mais oui, tu l'as déjà montré la voiture! Oui, je l'avais déjà vu. Mais pourquoi il y a le drapeau de... Ah, c'est le drapeau du Mexique, ça? Oui, oui, il a mis le drapeau du Mexique parce qu'il y avait le drapeau de l'Amérique. Et moi, j'aime pas l'Amérique, moi, j'aime le Mexique. Bon, tu voulais me dire quoi, cabron? Mais rien, rien. Bah si, tu m'as dit, dis-moi quand tu es là. Non, je voulais te parler, ça y est, t'es passé à autre chose concernant Nero. Non, toujours pas, hein. Non, mais t'abuses, là, mais je vais péter un plomb. Mais... Aïe. Aïe, merde, c'est pas grave. Ouais, regarde, tout est prévu, tout est prévu. Oh. Oh, oh. Oh, arrête. Oh, eh, baisse la rameur. Eh, vas-y, vas-y, attends. Attends, arrête, attends, je m'arrête. Non, non, arrête, arrête. Arrête, arrête, remonte, ils vont nous niquer. Ah merde, faut monter, oui, oui. Oui, mais non, mais pour Nero, pour moi, il y a un truc qui cloche dans cette histoire. Ouais. Nero, il est pas devenu fou comme ça d'un coup. Tu comprends? On l'a vu partir. Aïe, merde. Pardon. Pardon, il était en train de te regarder. Tu es plus haut sur le siège, on dirait. Tu es pas... On dirait que tu es bien assis, tu comprends ou pas? Ah ouais. Ah oui? Peut-être qu'il y a que dans ta voiture que je suis à l'aise comme ça. Ah oui, c'est vrai. Hein? Attends, c'est quoi cet hélico qui vole aussi bas? C'est ta mère, la pute. Oh, ah, okay. Ouais. Du coup, quoi? Tu t'inquiétais pour que tu as peur que je tue Ricky? Mais parce que je te jure que si ça serait Ricky, je te l'aurais dit et même lui te l'aurait dit. Viens, on passe à autre chose. Ça y est, c'est bon. Ça y est, regarde, Miguel, on n'est pas bien là. Regarde, le beau temps, le soleil, ta petite daronne, on baisse tous les deux Camilla. Incroyable. Non, bah c'est pas tous les deux Camilla, y'a que moi qui la baisard. Ouais, y'a que toi. Pourquoi vous me parlez de Sinjed? Ah, parce qu'on a toujours pas retrouvé. Ouais. Demi, qu'est-ce que tu me veux? Comment ça, qu'est-ce que tu me veux? Je sais que tout le temps quand tu m'appelles, tu dois un truc derrière la tête. Je sais très bien, me prends pas pour un con. Attends, tu me prends pour un hypocrite, pour un manipulateur? Pour un mec qui a la queue quand j'ai besoin de quelque chose? Non, pas du tout. Mon ami Miguel, c'est tout. Ah, il est ton ami maintenant. J'aurais été mon ami, je t'ai toujours défendu. C'est trop bien ça, j'aime trop. Regarde, il la baisse. Quoi? Regarde, il baisse la voiture. T'as vu? Monsieur. T'as vu ou pas? Regarde, je suis en train de coucher avec le taxi. T'as vu ou pas? S'il vous plaît. Oui. Le sexe automobile, non, c'est bon. Ça existe pas. Bah si, ça existe. Il lui met mon gros pot d'échappement dans son gros pot d'échappement. Bon... Ah... Monsieur... Oui... Pardon... Miguel, en ce moment j'ai l'impression que t'es en train de dérailler mentalement. Bon, regarde ce que t'es en train de faire, ça va pas du tout dans ta tête. Il faut que je trouve Shooty pour qu'il doit le tuer. Qui? Shooty. C'est qui Shooty? Une balasse, Lil Young, tu connais ou pas? Il parle comme ça. Comment? Vas-y, imite-le. Il parle un peu comme ça, tu comprends? C'est un bébé. Oh. Bah viens, on va à leur quartier là, vas-y. Là, aujourd'hui c'est un grand Miguel. Tu vas faire régner l'ordre. Oui? Comme toujours. Ouais. Aïe, merde. Ayar, c'est pas aïe, c'est ayar. Non, c'est pas aïe, si tu veux pas je te baisse ta mère. C'est ayar. Ayar, ok. Qu'est-ce que toi, tu es de bonne humeur, on dirait? C'est au prétérite. Quoi? Qu'est-ce que toi, tu es de bonne humeur? Pas de bonne humeur, je suis bien là, on est posé. Oui, tu es de bonne humeur. C'est bien l'air, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Où est-ce qu'il est ce cabron? Tu veux m'aider? Tu veux, je... Ouais, bah oui, pourquoi pas, moi j'adore tuer des gens. Attends, j'y vais. Il s'appelle comment? Shooty. Ça va? Oh là là. Ça va ou quoi, Shooty? Comment ça? Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais il est où, Shooty, putain? Shooty, il est pas là pour l'instant, il est pas arrivé encore. Parle-moi bien, tu me... Eh, parle-moi bien, moi je suis pas ton petit. Vas-y, va là-bas. Ah, mais wesh, doucement. Là, voilà. Wesh. Voilà. Escute jamais, cabron. Tu vas lui dire à Shooty... Je vais te dire où il est, Non, attends. Remonte, Demi. Tu vas dire à Shooty que l'heure est passée. Tu comprends ou pas? Tu le répètes. Ok. Tu lui dis bien. Doucement. Et pourquoi tu sors? Ils auraient pu nous tuer, tout est faux, sortez ton arme ici. Moi je suis un putain de bonhomme, ils peuvent pas me toucher, je suis trop petit, j'esquive toutes les balles. Allô? Oui, Shooty. Oui, ça va Shooty? Bah non, je viens de me faire virer du quartier à cause de mes conneries. Tu profites de ta dernière soirée en vie? Je sais pas si c'est ma dernière soirée, je te dis la vérité. Tu quoi? Miguel. Tu as dit quoi, Shooty? Attends, je suis au téléphone avec Shooty. Il s'est fait virer à Skip. Moi je pense que c'est pas vrai hein. Oui Shooty. Non. Oui hermano. Là j'ai tout perdu, j'ai perdu mon quartier, j'ai tout perdu. Oui et tu vas perdre la vie ce soir. Ouais peut-être, et si je la perds bah tranquille, c'est bon c'est la fin. D'accord. Bon bah tu veux que... J'ai un truc à te dire Miguel. Oui. Je te dis la vérité, si tu veux qu'on se batte jusqu'à la mort, je me battrai jusqu'à la mort, quitte à t'emporter toi et moi au passage. Oui, d'accord, d'accord. Eh ben, écoute, si tu en as marre de la vie, tu viens, il te récupère et il te tue. Ça t'arrange? Ouais, t'inquiète pas, Blake. Ils m'ont viré du quartier, j'ai plus le droit de porter du violet. D'accord, d'accord. Eh ben, à cause de nos conneries de merde. Oui, oui, bon, je m'en bats les couilles de ta vie, moi, cabron, hein. Vas-y, vas-y. Je te trappe, tu es mort, oublie pas. Tu sais que moi aussi si je t'attrape je te tue hein. Oui oui d'accord. Même pas forcément besoin de t'attraper, je te tire dessus, m'en bats les couilles. D'accord. Au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Ça va hermano? Yo, ça va, tranquille. T'es où Miguel? Aïe! Aïe! Mais ça va pas! Tu m'as fait mal! Tu m'as abandonné, Miguel! Mais c'est toi, tu vas sauter! Tu m'as abandonné, non, j'ai pas fait exprès la porte et tout! Ok, attends. Alors, Shooty la balance, comment on se retrouve? Non, ça va. Ça va? Shooty la balance, ya? Non, ouais, j'ai fait la balance. Pourquoi tu as fait ça, cabron? Bah, de base, ça partait d'une blague. En mode, je savais pas, t'étais recherché. Mais on m'a dit que t'étais recherché, donc voilà quoi. Donc voilà quoi, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, tu fais ce que t'as à faire vraiment, genre j'ai tout perdu. Bah alors Miguel, on balance, hein? Mais non, c'est lui ma balançard. Alors c'est toi qui le balance Miguel, hein? Non, de base c'était pas un truc de balance, de base c'était un truc d'en mode, je pensais il montait sous son prénom pour rigoler, j'ai dit non c'est Miguel. Mais je savais pas. A des pollos, cabron. Pourquoi tu le dis à des pollos, cabron? Mais est-ce que je savais que t'étais recherché, yo? Mais peu importe! Si yo mens des poyos, c'est qu'il y a une raison. Hijo de puto de cabron de merde. Moi j'ai déjà menti à des poyos, j'ai déjà dit que je m'appelais pas Nilion, que je m'appelais Lil Boom. Et alors? Si tu l'as fait, c'est pour une raison? Bah non, j'étais prigonnier moi de base. Et pourquoi tu es viré des balas? Bah je suis pas viré, ils m'ont dit de régler mes problèmes avec tout le monde, tu peux régler un dans le coffre, y'a personne. C'est-à-dire? Ils m'ont dit que tes problèmes avec les autres gangs, ils ont dit t'as trop fait de merde, ils veulent pas les régler à ma place. Et après, reviens en quartier. C'est quoi qui s'appelle à régler les problèmes? Je sais pas, ils veulent plus que je sois en embrouille avec personne. Je sais pas comment les régler, je te dis la vérité, j'hésitais entre faire la guerre, mais ça va faire trop de morts bêtement, ou même moi je vais mourir dès le départ et... Oui, je pense que c'est plutôt cette option qui va arriver. Ouais, c'est ça. Bon du coup, il a fait quoi? Il est tout dessus? Comme tu veux. On va te tuer mon gars. T'as des raisons pour me tuer. T'as toutes tes raisons. On va te tuer. Eh reste tranquille toi, tu m'énerves. En plus il a des bêtes de muscles et tout, ça enfin ça mixe. Enfin. C'est mon garde du corps. Ouais. Ouais. Ok. Cabron, tu es une bonne à rien. Eh, reprends du poil de la bête et il viendrait te tuer. Nique ta mère, toi, et tes balances de merde, t'as compris? Ouais, nique ta mère. T'as compris? Mon cher, reprends le poil de la bête, je suis pas une bête, je suis pas un animal. Tu es une merde. C'est une expression. Ouais, ma chop. Wesh. Te faire enculer, toi et ta chop, hijo de putain de cabron de merde, de balances de merde. Non. Mais... Ah oui c'est vrai, t'as cette coach est bon quoi. Ça va Radamel? Mais qu'est-ce que tu t'es mis au max aujourd'hui? Non, depuis la dernière fois ça y est, je recommence à prendre soin de moi. Je suis dans mon troisième arc. Vas-y, bon, on va pas la tête. Comment ça, troisième arc? Ouais. Tu crois que c'est un film ici? Ouais. Bon, Radamel. Ouais, du moins. Mon AK, je la veux. Tu l'auras pas, amigo là. Si, je la veux. Ok, tu la veux et après? Mais après, quand je l'ai, je suis content. Ouais. Et tu vas faire quoi avec? Je veux la garder, c'est la mienne. Tu sais qui a ton AK? C'est qui? C'est le petit frère d'Emilio. Tu te rappelles de lui? Non. Si, si, si. Oscar, je crois, il s'appelait, je sais plus. C'est lui, même il est venu faire un stage au barrio là. Non, 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 non. Là, l'AK que tu as, toi, c'est la mienne, donc tu me la rends. Non. Si. Miguel, je te dis la vérité, je vais pas te la rendre. Ok, ben moi je te dis la vérité, tu vas me la rendre. Ah ouais? Oui. Mais si jamais je décide que qu'elle restera où elle est, comment on fait? Tu me menaces? Bah tu peux le prendre comme tu veux, mais moi je te dis, tu vois, mon discours il va pas changer, Miguel. Sois explicitar. Est-ce que tu me menaces? Mmh. Mais si jamais je dois te menacer, ouais, tu touches pas à la AK, quoi. Hmm. Tu veux bizarre, hein? Moi, il t'a fait confiance. Je vais pas te baiser, Miguel, que tu me racontes. Tu m'as dit, hé, hey, Miguel, donne-moi la AK, je la garde. Et là, tu veux plus me la rendre, hein? Mais tu sais très bien qu'est-ce que je vais faire avec cette putain de guitare. Non? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette putain de guitare? Si, si. Je vais colorer le corps de L'Orio. Ah, ça y est, c'est... Ouais, ouais. C'est acté. Tu vas faire comment? C'est juste... là, je sais pas, il rase les murs, là. Hmm? Hmm? T'as dit quoi? Je t'ai dit, là, il rase les murs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Pourquoi? Tu lui as dit que tu allais le dicard? Non, mais après... Tu sais, les bruits dans la ville, ça va vite, hein. Les autres, ils sont au courant? Je sais pas, à moins que tu t'as tout balance. Moi, j'ai rien dit, cabron. Arrête. Tu l'as dit ou pas? Vas-y, enlève tes lunettes et regarde-moi dans les yeux et dis-moi que t'as pas dit. Retire mes lunettes, retire, vas-y. Vas-y, je vais retirer aussi. Retire les miennes. Vas-y, retire les miennes. Vas-y. Allez, cabron! Non! Je t'ai retiré là! Non, pousse-moi! Voilà! Ah, ok. Ok. Il a rien dit. Et toi, tu l'as dit ou pas? Non, j'ai rien dit. Et tu as pas peur que quand tu vas t'en prendre à l'Orio, ils veulent se venger? Hein? Jamais de la vie. Pourquoi jamais de la vie? Mais parce qu'ils savent très bien que moi je suis quelqu'un de sérieux, moi. De toute façon, là tout le monde voit que, vas-y, l'Orio, c'est la retraite pour lui et que. Faut passer le trône, hein. C'est tout. Après, comme je t'ai dit, le seul problème c'est Guero, tu vois. Pourquoi Guero c'est tout ça? Bah, celui il veut reprendre le trône, tu vois. Déjà, Vertugo il est mort. L'Orio il est arrivé, il lui a dit non, non, c'est à moi. Je pense que lui aussi il a faim de pouvoir, hein. Mais bon. Donc tu voudrais trouver l'Orio et Guero? Non. Ok, tu vas faire comment si Guero il veut le trône? Pourquoi t'as vu? Moi je te sens bizarre par rapport à ça, Miguel, je sais pas. Arbado, moi tu m'as dit, dis rien à personne, dis rien à personne. Je te parle pas par rapport à ça, parce que... Par rapport à quoi? Je sais pas, moi, malgré tout ce qui t'a fait, L'Orio, j'ai l'impression que tu l'aimes bien quand même. Bah moi, il aime bien le réfé. Ok. L'Orio, il aime pas, mais le réfé, il aime bien, tu comprends ou pas? Ok. Je t'ai cerné. C'est bon, tu as compris? Écoute, là... Ok, mais t'as pas répondu à ma question. Guero, s'il veut faire le... il va prendre le pouvoir si jamais tu tues l'Orio. Il va faire comment? J'en ai aucune idée. Tu vas le tuer aussi? En fait, le truc, c'est que... Je pense que l'Orio, c'est pas un problème, tu vois. En mode... les gens au barrio, ils, tu vois, ils accepteraient, tu vois. Mais Guero, je sais pas. Viens, on fait de radio, d'en part. T'es sûr? Tu demandes de manière passive-agressive. Tu dis, hé, hey, les gars, l'Orio, vous en pensez quoi? Tu vois, juste ça. Vas-y. On prend la température. Allez, viens. Eh, vas-y, venez au barrio là. Venez de ce barrio là. quand vous avez fini et tout. Jure Mexique, je viens de capter. Oui, il a changé les drapeaux. Sa mère. T'as vu? Ça tue. Baisse la tête. Encore baisse la tête. Bon, merde. Eh, vous êtes où là? Venez au barrio, c'est important. Il va à fond, je suis en route. Mets la table. Il faut vous dépêcher. Radamel, il veut faire une réunion secrète pendant que L'Orio il est pas là. T'as dit, comment je vais te baiser? Mais c'est ça, c'est la vérité. Mais pourquoi tu précises pendant que L'Orio il est pas là en mode ça insinue un truc? Mais non, mais c'est la vérité, si L'Orio il est là, on fait pas la réunion. C'est la vérité. On va te faire foutre. On va faire une réunion comme les francs-maçons. Oh, parfait. Oh merde. Ouais, on réussit de le mettre comme il était. Ah, j'y arrive plus. C'est bon, ça suffit la table de guerre là, j'ai pas besoin de rajouter des trucs là. Ouais. Nickel. Putain. Elle pue sa mère ah, cette table. C'est vraiment brouillon. C'est pas une table de guerre ça. Arrête pour de vrai. Ouais, il m'a envoyé un message là. Ah merde. De quoi? Il m'a dit j'arrive pour une exclamation. Qui? L'Orio. Ah ouais. Parfait. Mais la table de guerre en fait, je sais pas, comment faire moi. J'étais bizarre. Alors, hop là. Attends, ça fait quoi si je reste ici et qu'elle tombe? Attends, je vais essayer, attends. Ya yeah. Oh, je la tête dure hein. Ça mais tu es où? J'étais en dessous. Je la tenais. Aïe. Dépêchard, L'Orio il arrive! Un mot de mid jaune qui fume, je peux pas aller plus vite. Obligé de la faire au quartier. Hein. Vous voulez parler de quoi là? On va parler des balas, on va niquer des balas, j'ai entendu. Oui, on va parler de ça, c'est ça, oui. Jure? Oui. Sinon, il y a un nouveau truc sur la mur. Regarde! Ah, c'est tout. Oh, il y a calvitie! Hein. Oh oui! Oh, je vous aime! Mais elle est trop bien faite, ma calvitie! Tcha. Franchement, celle-là, elle est bien. La vie de ma mère, ma calvitie, elle est trop bien faite! Eh, ça pète sa mère, mais pourquoi j'ai 15 ans sur le truc? Oui, c'est vrai. C'était quand tu étais à ton prime. Ouais, c'est vrai. Pourquoi moi aussi, j'ai 12 ans là? Mais pète sa grand-mère. Il y a juste la barbe de L'Orio et de Gato, elle est incroyable, vraiment. La barbe. T'as un joli calibre, Miguel. Hein. Oui, t'as vu, c'est mon AK-47. Tu la reconnais? Ouais. Eh oui. Mais la vie de ma mère, c'est incroyable, mais wow, pète sa grand-mère. Hein. Eh ouais, c'est moi, il a tagué ça. Elle est fit sur le. Alors qu'elle fait 800 kilos. C'est vrai, elle a des épaules de camionneur. Oh, L'Orio, il a des bras de fou bâtard. Alors que c'est pas trop le cas, quoi. Et parce que je crois que c'est avec son ancien visage qu'elle a été faite comme il y a. Voilà, t'as parlé comme ça. Voilà, ok, vous prenez pour qui là? Pourquoi vous rentrez comme chez votre grand-mère? Parce qu'on a appelé Radamel, il nous a dit de venir. Ok, toi tu l'as appelé, et lui c'est qui? Avec sa tête de victime. On travaille ensemble. Tranquille, pas besoin d'être les insultés, viens, c'est pour vous là. Ouais. D'accord. On va vous proposer un truc de ouf. Oui, tu vas me proposer quoi toi? Bah, tu vas voir. Ok, ça m'intéresse pas, tu t'as compris ou pas? Arrête de mentir, vas-y, viens là. Quoi, t'es sérieux? Oui, sérieux. T'es tout le temps méchant avec moi. Je suis tout le temps énervé. Ça y est, Miguel, c'est bon. C'est bon, t'es sûr? T'es sûr, Radamel, t'es sûr, hein? Ouais, c'est carré. Tu veux cueillir les deux? Pas tout de suite. D'accord. Comment ça, pas tout de suite? T'inquiète. Ça, Radamel? T'as vu la nouvelle voiture ou pas? J'ai tous 14. Mais c'est quoi cette coupe de fils de pute d'investisseurs en crypto-monnaie? Je te demande de respecter ma coupe, Radamel. Nah, mais je parle pas à toi, amour, je parle à la Kaïda. Ah, c'est fils de pute, ok. Voilà. Elle est bien ma coupe, c'est ça la rageux. Vas-y, dites-moi, j'écoute. Hein. Un petit cadeau pour toi. Vas-y, viens, on va plus loin un peu. Ah bah, il a l'air d'avoir du demande. Mais c'est comment? On se fait boycott? Pourquoi? Pourquoi je suis là? J'ai rien compris à ce que t'as dit. Attends, je t'ai demandé pourquoi ils étaient là. Ah, t'inquiète, pas besoin. Ok. Bon, vous en, je t'envoie une pause, faut que tu viennes avec tout. J'entends rien, wesh. Je t'explique, t'as vu. Là, depuis le début, vous achetez des calibres. L'argent, d'accord. Très bien, je suis un enfant du peuple, Radamel. Dire maintenant, celui qui a le plus de couilles, partir. Mais là, t'es trop. Et ça commence dès ce soir. T'es à 23h, vague. Ouais, parce qu'en gros, on va tout expliquer d'un seul coup à 23h. Vous serez pas les seuls. Juste, soyez équipés, soyez bien déterminés, prenez de la cire. Et après. Ouais, après, on vous expliquera. Il y aura de la concu et en gros le plus fort faut être carré, organisé. Je me suis caché pour rien en fait. Vas-y, parfait. C'est bon, 23h pile. Bien, on vous envoie la pause. Ouais, t'inquiète. C'est dans 20 minutes hein. Bah vas-y. C'est ça. Préparez-vous bien comme il faut. Vas-y, super. Vas-y, bien vu pour la force, pour la chasse. Vas-y. À toutes. Vous avez entendu ou pas? Non. Ouais, ça sent. Apparemment, ça va se la donner. Faut être à l'affût, je sais pas quoi. Ma voiture, aïe! Pardon, ça va L'Orio? Bah écoute, ça va, il s'est passé quoi là quand j'étais pas là? Alors, il a attrapé Shooty, il m'a dit qu'il était viré des barrages, donc du coup il voulait pas faire la guerre maintenant. Après, les autres ils ont fait la cocaïne et ils voulaient faire une réunion sans toi. Et après, vu que t'es arrivé, bah, ils ont pas fait la réunion. Pourquoi ils voulaient faire une réunion sans moi? Je sais pas. C'est comme mon anniversaire déjà, il prépare un anniversaire surprise. Peut-être. Ok. Peut-être que c'est pour ça, hein? Non, je sais pas. Peut-être qu'ils me font une surprise, je sais pas. Peut-être, hein? Ça fait un moment que j'étais pas là. Du coup, peut-être que pour mon retour, ils se sont dit, bon, je vais faire une petite surprise, tu vois. C'est tout? Oui, c'est tout. Et après tu es arrivé. De quoi? Et après tu es arrivé. Les mécanos, non mais pas aujourd'hui. Quelqu'un veut acquitter ou pas? Moi non plus hein, et moi si tu es pas là, je suis pas là cabron hein. Non mais avant même. Avant même? Ouais. Avant même quoi? Avant qu'on n'était pas là. Je sais pas. Rien. Ok. Pourquoi tu as une grosse voix? J'ai une grosse voix, c'est vrai? Oui c'est vrai. Parce que en fait je suis fatigué. Oh la course poursuite! Oh, comme à l'ancienne, tu vois. Ça va peut-être me réveiller. Là, j'ai vraiment pas envie de m'énerver, tu vois, parce que je suis de bonne humeur et très heureux dans ma vie. Oui. Et il le mange, hein, ce cabron. Ok. Tu veux qu'il écrase? Non, vas-y. Bon, vas-y, ça te plaît. Il va nous écraser. On s'arrête! Ok, escúchame, les hermanos, escúchame. Ouais. On vous écoute. Nique ta mère! Mais après, ils vont plus nous suivre! C'est trop nul s'ils ne nous suivent plus! Oui, c'est vrai. Vous êtes trop marrant de les écraser. Mais avec ça, tu peux ni faire de spécial, tu peux rien faire du tout. Non, il peut rien faire. Après, il peut faire. Si vraiment, imagine, il y a deux bouts de bois qui sont bien écartés, et moi, il peut passer, tu vois. Ah oui, donc il faut vraiment un endroit avec deux bouts de bois écartés. D'accord, ok. Oui, c'est le seul monde où il peut, parce que sinon il peut pas. Là, je suis en x32, Attrape-le. Mais sinon, elle avance pas. Attends, je vérifie. Je vais là tout le temps la jouer en x32. C'est quoi la radio, Miguel? Non, on peut pas s'arrêter, on a. Aïe! Oui. C'est. C'est Tron. Tron? Fais gaffe, je me roule pas dessus. Pardon, ça va Tron? Pourquoi ils nous ont lâché les poils? Oui, ça va. Ça va, t'es beau gosse hein? Ouais. Ah, merci, c'est gentil. Pourquoi tu as mis cette tenue? Bah, pour aller avec la moto. Et pourquoi tu as acheté cette moto? Ouais, parce qu'elle est jolie. Ça change et on en voit pas souvent. D'accord. Ouais, y'a que Jackie Tanaka qui a ce modèle là. Ouais. Ah, Jackie Tanaka. Jackie Tanaka, nique ta mère. Ta mère, Miguel. T'es fier de ta blague là? Oui, trop. T'as quel âge déjà, Miguel? Il est 19. T'es mineur encore? Bah oui. Ouais, Radamel, vous êtes pas... Ou peut-être 21, il sait plus trop. Rien, on fait la douche à Bobby là. Toujours au barrio. Vas-y, bah venez tous hein. Ah non, il t'a pas encore envoyé la pause là. C'est quoi la radio, Miguel? 234. Et après si vraiment... Pardon, s'il vous plaît. Pardon, mais roule. Wow, mais... Pardon. En ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Ok. Je sais pas. Pardon. Aïe. Aïe. Ça va? Oui, ça, moi ça va et vous ça va? Le raptor continue. Oh là là, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Mais oui, mais attends, on a encore beaucoup de possibilités, nous allons retrouver là. Vas-y, Miguel. Mais si on est en norme. Est-ce que vous allez pouvoir descendre du véhicule à laquelle... Ah oui. Ah merde, pardon, pardon. S'il vous plaît, pardon. Recule, recule, recule. Pardon. Oui, se recule, se recule. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent? Descendez du véhicule, s'il vous plaît. Descendez du véhicule dans lequel vous êtes assisté. Pardon. Mais comment se trouve cette personne? Anticipe, anticipe. Anticipe. Vous pouvez appeler le commandant, s'il vous plaît, il faut qu'il le voie. Non, 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 on va pas... Dites-lui que c'est Michel Vapoté qui veut le voir, il va comprendre. Par favor. Michel Vapoté? Oui, il vous laisse demander 24. Parlez à la radio, dites, monsieur le commandant, il y a Michel Vapoté qui veut vous voir. Mais pourquoi? Eh, si vous voulez pas, tant pis, il est le voir. Je pense que c'est un code radio. Je pense que c'est un code. Oui, allez, faites-le, KD, faites-le. Je vais le faire. Vas-y. Je dois dire quoi? Monsieur le commandant. C'est quoi ton matricule? 77. 77 pour le commandant. Il y a Michel un certain Michel Vapoté qui veut vous voir. Oui, ça marche. Allez. 77 pour commandant, il y a un certain Michel Vapoté qui voudrait vous voir, s'il vous plaît. Oh, vous êtes la brigade canine? Oui. 77 pour commandant, il y a monsieur Michel Vapoté qui souhaiterait vous voir, s'il vous plaît. Attends, le commandant n'est pas dans la radio apparemment, c'est désolé monsieur. Ok, vas-y, appelez-la. Vous avez pas son numéro. Dépêchard. Ça va le clébard? Ça va le clébard? Comment il s'appelle? Je sais pas, je viens juste de le rencontrer. Il s'appelle 10? Non, Vince. Vince? V-I-N-C-E, oui. Je crois que c'est le diminutif de Vincent. Je retourne au palais Playa. Chercher un truc. Il répond pas le commandant. Bon, ben, dites-lui, je veux le voir. Dites-lui là mon numéro. Mon numéro c'est 5767. Vous dites qu'il me rappelle, d'accord? Il est déjà en train de courir. Au revoir. Faites attention avec votre... Oui, merci, au revoir. C'est pas vrai, c'est juste la manipulation. Comme ça, ils nous cassent pas les couilles, ils nous arrêtent pas. C'est qu'ils nous ont vraiment en plus pas arrêté là. Bah oui. Mais ils sont cons ou quoi? Bah non, c'est moi, je suis trop intelligent, je suis le mastermind. T'as oublié? T'as bien grandi, Miguel. T'as bien grandi, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vraiment abusé mon mastermind. Ah. Tu veux vraiment pas voir le commandant? Non vraiment, il m'en fout. Tu es ébahi? Non mais ça va, c'est bien, c'est autre chose. Tu sais L'Orio, merci de m'avoir fait tout ce que tu m'as fait subir. Ça m'a bien fait grandir, ça m'a bien aidé. C'est vrai? Oui c'est vrai. Non c'est vrai, c'est vrai, non c'est vrai, la vérité. C'est que là... C'est vraiment bah, l'objectif que je voulais te dire, enfin te faire. Oui, non mais vraiment. C'est hein. Ça, vraiment. Radamel? Ouais, ouais, du moins, Miguel. Ici au barrio, hermano, on a toujours pas la position? Non, non, non. Ah oui. Ouais, je sais pas, attends, je vais l'appeler. Ah merde, je me suis gagné sur ta voiture. Ouais, il est pas encore. Merde, il l'avait pas vu. Vas-y, 23h05, de tes techniques, fils de pute. De quoi? De me dire un truc gentil pour me niquer comme ça? Non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, il l'avait pas vu. Moi, il y avait mon AK-47. Le problème, c'est comment il s'appelle le cousin là? Même il est venu, il est reparti. Ouais, ah, c'est lui qui l'a? Ok, c'est bon, il me l'a laissé dans ma chambre là. Ah, c'est bon. Ah. Oui, mais la prends pas, la prends pas. Si, il la prend. Et ok, mais si c'est zipper, c'est bon. C'est un cadeau ça au cas où. Asso. Riff. C'est une AK noire. MK2. Je suis trop fort. First time. T'étais où il y a 23h, Gato? Mais wesh. Ah, pitié. Bon, je sors sur Naka de ma sacoche. C'est Naka tu sais, qui se plie un peu, genre. Ouais. C'est moi mon star track. J'arrive. Il a mis les drapeaux mexicains. Ouais, il est beau, il est joli. Mais là, pour ce que vous allez faire, ça va plus te mettre dans la merde. Écoute, L'Orio, tu sais à quel point je suis attaché à mes coachets, tu le sais ou pas, L'Orio? Oui, mais ne t'inquiète pas. Tu as pas envie que ça recommence, tu as pas envie que ça recommence, L'Orio. S'il vous plaît. Tu ne veux pas que ça recommence, L'Orio, hein? Non, Miguel, laisse-le parler, laisse-le expliquer sa chose, et ensuite... Il manque de respect à ma voiture, L'Orio. Mais non, Miguel, justement, non. Ces voitures, c'est sa vie. Ces voitures, il tient plus à sa vie, à ses voitures qu'à sa vie. Vraiment. Écoute, en fait, Miguel, je t'explique. Oui. Là, si tu gardes ton monster truck, oui. ça va être une catastrophe. Là, c'est... Tu vas... Toi, tu me dis ce qu'il y a à faire, et moi, une fois que je sais ce qu'il y a à faire, j'avise. Et je verrai moi-même s'il faut que je... Moi, je te dis ce qu'il y a à faire, ça te va. C'est parfait. Tu changes, tu restes, ça te va pas, tu pars avec ton monster truck. Aussi simple. Écoute, là, on vous invite sur un truc, on vous met sur un plafond. Vous allez partir avec des trucs gratuitement. On te dit, tu dois enlever ça, tu l'enlèves. On dirait, je t'ai insulté ta mère. Gonzalo, je m'en occupe. Ok. Bah, maintenant, L'Orio, ça va commencer, là. Ouais. Là, vous avez qu'une voiture, L'Orio. On a deux voitures, non? Non, il n'y en a qu'une, c'est pour ça. Moi, je pense à vous. Le troisième carré. Les balages sont en retard. Ouais, ils arrivent. Mais Miguel, change-le maintenant, parce qu'après on va lancer direct. Mais le problème, c'est que là, il peut pas la ramener maintenant. Il va la laisser ici. En fait, tu comprends pas ce qu'on doit faire. Je vais vous expliquer. J'attends juste qu'il y a tout le monde. Au moins, on explique une fois, une bonne fois pour toutes. Ça va, les balages, bien, tranquille. Ouais. Tranquille, hein. Un vrai gang de Poucave. Tu peux attester maintenant que j'ai vraiment ramené ta grand-mère. C'est quoi celui qui porte un Jim Team? Quoi? Non, Hermano, les baggies c'est en 1995 hein. Et qu'il y a Naka pour faire les grosses couilles. Ils me prennent pour un fou. Parce qu'il est dans ma porte. Bah ouais, mais ils ont raison, c'est faux. Non, mais dis-le que je sais ramener des gens à la vie. Il est compressé. Il a copié ma vie, coup. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ses pieds ils ont plus de sang, frère. C'est marrant hein. Ils arrivent les bikers, Francky. C'était Kaiden ça qui parlait? Les bikers, ils arrivent. Bah oui, qui d'autre? Tu vois pas, je suis trop beau, je suis trop beau. J'ai pas de répartie. De toute façon, c'est pas grave. Si les bikers, j'ai détaché maîtresse. Ça veut rien. Les familles arrivent, ils ont... Ah là là, nique ta mère, nique ta mère. Parle pas avec moi. Où faut-il aller, Romano? Il est... Parle pas de Shooty. Exil. Déploie avec moi. Comment ça? Shooty n'est plus. Très bien. Mais de la vie de ma mère, je sais pas. Mais en gros, pour vous expliquer, là aujourd'hui... Ça va être le renouveau. Nous tournons la page Comment expliquer ça? De l'argent qui fait l'homme, qui fait la puissance. Aujourd'hui, c'est la paire de couilles qui fera la puissance. Vous comprenez? Super. Ça veut dire que là... Comment ça? Mais ici, il est pas content. T'inquiète. Gonzalo, tu parles avec les Vagos. Non, mais c'est un Vagos. Parle avec nous. C'est moi, t'inquiète pas. Écoute, là, si il est encore là avec son monster truck, ça sert à rien. Revenez au prochain. Il ne le prendra pas. S'il le prend, dans tous les cas, vous allez participer pour rien. Exactement, voilà. Comme tu l'as dit, si on le prend, on participe pas. Je t'écoute. Vas-y, en gros, c'est simple pour expliquer. Il y a une position. Il y aura un camion. D'accord? On va vous le donner là, à chaque chef de votre gang. La position que vous allez avoir, aller sur place, récupérer un camion. À l'intérieur du camion, il y aura des armes. Ensuite, vous devez le ramener à cette position. Il n'y a que nous ici, il n'y a que Francky qui a la clé du camion. D'accord? C'est-à-dire que le camion doit revenir ici intact, on vous l'ouvre et vous avez gagné ce qu'il y a à l'intérieur. On ne veut aucun coup de feu. Faites ce que vous voulez, on ne veut pas de coup de feu. Et au moment où le gagnant a récupéré ses armes ici, à cette position, ce n'est plus notre problème ce qui se passera. Si vous faites ce que vous avez à faire, ce n'est plus notre souci. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ok. À l'intérieur, il y a des armes. Plusieurs armes. En gros, on coopère et après, une fois que la mission est terminée, on coopère plus. C'est pas une mission. Vous êtes tous en concurrence actuellement. Là, Je vais donner la position à L'Orio, à H et à Trix. Je pense que tu devrais donner la position en dernier aux familles dues à leur retard respectif. Bien sûr, de toute façon vous allez partir en même temps. Vous allez partir en même temps. Ouais. Désolé du retard, on a trouvé un tranquille sur le chemin. Du coup j'explique à tout le monde. En gros, aujourd'hui, là vous êtes tous ici, parce que vous êtes en concurrence. Ce n'est pas une mission, il n'y a pas de... C'est pas... Non, vous êtes tous en concurrence. On va vous donner une position qui est dans le sud. Il y a un camion. Mais Bobby, avec... Vous devez récupérer le camion, le ramener ici. À l'intérieur, il y a des armes. Et il n'y a que nous qui possédons la clé. C'est-à-dire que les balas nous ramènent le camion ici intact. On vous ouvre le camion, vous prenez ce que vous avez à l'intérieur. On ne veut juste aucun coup de feu sur la route, sur le trajet, sur la position. Ici, on ne veut aucun coup de feu. Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous voulez, mais on ne veut pas de coup de feu. Et au moment où le gagnant part avec ses armes, c'est terminé. Faites ce que vous voulez, c'est terminé. Ce qui se passera, ce n'est pas notre problème. Okay. Carré, carré. D'accord. C'est que là, c'est une nouvelle, d'accord. C'est un test. Aujourd'hui, c'est un petit test. C'est un peu brouillon. C'est pas très clair. C'est pour ça que les véhicules, je savais qu'il allait avoir problème de véhicules. Bon, pas autant. Mais les prochains seront plus carrés, plus... Enfin, vous verrez. Et je comprends pas le problème avec mon véhicule. Hein. Le problème avec ton véhicule, c'est que tu vas rouler avec ça. Là, ça va être comme une sorte de course. Ça va être la mer sur la route. Oui, mais tu peux pas rester avec ton monster truck. C'est trop comparé aux autres. Tu peux mais pas alors, ils avaient acheté des meilleures voitures. Tout le monde a des Kuruma, des Jugurar, des Buffalo. Laissez-moi. C'est pour ça, de base, nous, on laissez-moi tranquille. On allait vous mettre que des lowriders. Shafter V12, Buffalo. Moi, il monster truck. On me casse les cojones, j'en ai marre. Je suis d'accord avec toi. Les prochains, pour te dire, celui-là aujourd'hui, on n'a juste pas eu le temps. On devait vous... Por favor, laisse-moi m'accrocher. Laisse-moi m'accrocher, por favor. Ça va être trop. Tu vas en écraser un, c'est trop. Non, por favor, je sais conduire. L'Orio, explique-lui, toi tu comprends. Regarde, tu veux que je sois une métaslave. Moi, je suis pas une métaslave, hermano, por favor. Parce que L'Orio, imagine le monster truck, c'est celui des balas. J'ai compris. Toi, t'as que ta voiture, Achille en monster truck, tu vois ce que je veux dire. Mais ça va qu'en avoir. Ils veulent avoir des Buffalo, c'est leur dos, c'est pas les miens. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que les prochains, les véhicules seront imposés. On vous préparera déjà les véhicules. On n'a pas eu le temps pour aujourd'hui. Cette fois-ci, on prendra pas le monster truck. Tranquille. Après, on a d'autres coachings. Voilà. Il n'y a pas tergiversé sur le coaching. C'est bon, Miguel? Non. Gonzalo, tu lui poses la question si c'est bon. Heureusement qu'il va te dire non. Il la prendra pas. Vas-y, tranquille. Bon. Du coup, là, L'Orio, Blake et Trix, vous pouvez me suivre. Je vous mets la position. C'est pas juste. On va vous donner le top départ. Miguel. Oui, mais c'est pas juste. Non, mais il y a quoi? Mais c'est pas juste. Non, mais attends, mais viens voir. Attendez, taisez-vous. Viens voir. Essaye de trouver un guardian. Parce que j'avais la réponse. C'est aussi gros que ça, c'est bon? Je l'avais avant. Le guardian, incroyable. Vraiment, fais-moi confiance. Si t'arrives à trouver un guardian au barrio, j'en avais un, l'ancien doit être dans un garage. Et c'est nous, on pète le camion. C'est nous, on va péter le convoi. T'as pas le droit de ton monster stock. C'est bon, on a la pause. Mais non, y'a pas le droit. Ils grimpent tous dans vos cochers. Il avait qui lui? Bon, bah, vous voulez m'accrocher déjà. Attends, mais. Ouais, amène-le, amène-le. Faites attention, y'a des motos. Après, ici, c'est devant. Descends, on revient. Viens voir. Oubliez pas, on a droit de tirer après. Aucun coup de feu pour le moment. Moi j'ai fait ce que je veux, moi, si je veux tirer, je tire. Non, tire pas. Miguel, arrête, c'est bon. Tu vas voir. C'était plat, tu vas voir si c'est plat. Arrête. On commence à partir, non? Miguel, tu vas voir. Miguel, le problème c'est que tu fais ça. On aura rien. Ça fait mettre le masque de la guerre. C'est même pas une guerre qu'on aura, c'est on aura dans le cul, c'est tout. Eh, le camion, il vient, on l'ouvre nous-mêmes. Attends, c'est normal que ce soit au moteur. L'ouvrir toi-même. Il est ce qu'il faut. Franck, Miguel, j'arrive. Bonjour, Adonis. Non, il est là. Miguel, viens voir. Descends. Tu la mets où? Tu la mets où? Le prisonnier là derrière toi, tu le connais, il dit que c'est ton pote. Non, c'est pas vrai, c'est une familiste de merde. Quoi, Miguel, non? Viens avec nous. Vas-y, viens. Miguel, tu vas me laisser tomber. Viens, L'Orio. Redonne la position. Miguel, non. C'est pour ça que mais quoi t'es ça? C'est bon quoi. Ouais. En fait c'est... Les hermanos, ce qu'on peut faire là, c'est qu'il y a une voiture qui passe devant, les autres elles bloquent, non? Et pourquoi il marche pas quand tu baisses le son? Rapide, non, voiture rapide. Et moi je suis en galère d'essence. Je viens de voir là. T'es fou, oh là là, qu'est-ce que c'est sérieux, ça va être incroyable. Je galère comment? Par contre, il est où? H, Chicken, etc. Le plan c'est 1000, moi là je suis dans la voiture à côté. Quoi? Et c'est où la pause? Je te parle de H, moi. H, il est là-bas. H, c'est dans le sud avec Gonzalo. C'est bon, Claude? T'es sûr c'est au drift, Guero? Si, c'est monte de côté gauche. Ok. Ah, moi aussi je crois savoir. T'es en galère d'essence, tu vas t'arrêter là-bas, ouais, tu vas devoir... T'inquiète. Oh non, mais j'ai mis le plan avant, frère, y'a plus d'essence, frère, ça va. Moi je vous dis... Vas-y, j'aime pas parce que ça me donne pas. Mais en fait, c'est chaud l'essence, hein, pour tout le monde, je crois. Les gars, c'est bon pour vous la pause, c'est bon la pause. Ouais, c'est bon. Sinon, y'a une coachée qui part vite, on se réunit... Guero et moi, on a un guardien, une Camacho. On va au barillon et on bloque après, non? Non, il est mort. Ça va être tendu, hein, même. C'est où? Je crois qu'on n'a pas trop. Ça me rend fou. Attends, t'as ski, prends vite, t'as ski. Là, je sais que j'ai même pas encore, là. Radamel descend. Ouais, mais t'as ski, il me parlait? C'est où la pause? Ça s'adresse à moi? Les gars. C'est à côté du DOF. C'est bon? Ouais, je me suis en centre-ville. Attends, mais yo, même moi je l'ai pas la pause. Hein. Drift. Wesh. C'est l'orage, y'a du tonnerre. Eh ouais. Y'a du tonnerre. C'est parce que je vais me transformer en Super Saiyan dans pas longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je sais pas, y'a un problème. Regarde ta coachée, hein. Regarde ta coachée, s'il te plaît. En gros, il a touché au câble électrique. Attends, monte-moi. Ouais, monte. C'est bon, dès que je vous donne à vous trois, vous cavalez, vous partez. C'est bon. Normalement, je suis obligé de vous suivre. Attends, t'as le pneu. Attends, t'as crevé le pneu là. Attends, mais c'est un chien, il a vu le gars là. Pourquoi il a une moto et moi, il est pas mon monster truck? Va te faire foutre. H4 descend. Il a 12 ans, le man. Mais ouais, vas-y, laisse la moto, frère, ça y est. Moi je dis Miguel pour ton histoire, je vais t'arracher la tête. On va rien faire. Non, allez, vas-y. Miguel va le prendre. Commencez pas à faire les petits gamins. Ma mère, le prochain qui lui dit encore va le prendre, je lui mets une balle. C'est bon, vraiment, commencez pas à faire les gamins, ça y est. C'est Miguel qui parle, ça y est. Non mais y'a une règle, ça y est, on s'en bat les couilles. Il a dit pas de coup de feu, pas de coup de hasard, hein. Bah oui, non, pas au début. Il a dit pas de coup de feu au début, il a pas dit pas de coup de taser. Comment t'es un taser? Hermano, t'inquiète pas. Non, t'abuses, tu vois les conneries. Oh, tu l'as custom, c'est bon. Non, viens, on se casse, non, il y a une voiture de famille qui est partie. Bref, tire pas au début, pitié, tire à la fin quand L'Orio dit tire. Eh, je vous dis, ah vas-y, après je vous dis. Allez, bombardez. En fait, t'as pas mis la pause, L'Orio. Si, moi, il y a la voie gauche. On peut péter le convoi du mec. Ah, vas-y. L'Orio, il y a une voiture de famille qui est passée déjà. Dites-moi aussi. Droite. Tu as la poste, Pablo? Là, je t'ai remis. Là, je le vois pas, moi. Vas-y, avance, je te dirai. C'est bon. La strat, c'est à mon avis, en vrai. Ah oui, c'est tout droit, t'as raison, pardonne. Tout le monde va se taper dessus. En vrai, il a pas si tort. Ah oui, mais si on peut pas tirer. Bah, je crois qu'on peut tirer à partir de maintenant. Non, c'est après avoir ramené le camion. Ah ouais, bah c'est nul, c'est rien. Ah dis pas que sa mère, t'as raison. J'ai même pas trop envie de sortir de la voiture, vraiment. Allez, t'es sûr, tu vas accélérer ton corps? Descends. Vas-y, je t'écrase. Descends, ça y est. Moi, je la sens, moi, la chute. C'est pas parce qu'il a dit qu'il y a pas de feu, etc. On n'a rien à foutre, hein. Ouais, vraiment. On n'a rien à foutre comme ça. Vas-y, descends. Super, vas-y, Gator, prends la bagnole. Ok, super. Je pense que ça va jouer après le. Il nous bloque des deux côtés. Hein. Oui, bah qui bloque? Non, on a un autre, on a un autre. Occupe-toi des voitures qui bloquent, occupe-toi. Bloque-moi, je te tire ta mère, c'est bon? Descends de ta voiture, je t'arrache ta soeur, c'est bon? Regarde mon arbre. Attends, attends, non, laisse-moi, ça va tirer. C'est celui qui crie plus fort là. Ça va tirer, ça va tirer. Regarde, là on est derrière eux. Je vais t'arracher, je m'en bats les couilles, je vais t'arracher. C'est bon? Va, assieds-toi à l'autre siège, au moins tu sors et t'es couvert. T'es sûr de toi? Vas-y. Tu vois, comme ça, voilà, parfait. Regarde à gauche, hein. Ah ouais, mon la vie de ma mère, mon arme va rester braquée sur ta race, hein. Attends. C'est pas sur eux, c'est pas sur eux. Oh. Vous avez fait péter le camion? Oh ouais. Bah c'est pareil, il a une MP5 et je suis obligé de descendre. Montez. Arrête. Miguel prend. Cours. Mais frérot, reprends les côtiers. Je vous ai dit 50 fois qu'il fallait péter les femmes. Mais les hermanos, mais au pire laissez-les aller. Et après on les chassera après. Pas grave, on a compris, c'est pas grave. Vas-y, avance. S'ils ont gâté en otage, ils vont garder. Ils ont récupéré les armes. J'aime pas ça. J'aime pas rester comme ça. Go aller chercher le Kamacho et tout en attendant, non? Ouais, en fait là autant aller chercher le Kamacho et le container. Et vas-y, on va pas vous attraper de toute façon hein. Ah bah là faut que tu tiennes bien. Non mais là on va rien faire, on va là-bas, on vous attrapera après. Ah, au fait, on a un petit familier dans la voiture si jamais aussi. Hein. On a droite là sur le tour. Perdre des doigts. Ça y est. Vous voulez ma radio ou pas, les mecs? Tu vas surtout perdre des doigts. Hein. Ça c'est. Oh non. C'est bon, tranquille. Oh là là. Ça c'est pas des scènes de flashback ça. J'ai été cool. Ça sert à rien de bloquer là maintenant. On va pas vous le péter maintenant, bande de trous du cul. Réfléchissez un peu. Arrête de leur dire. Ah, mais en vrai, il leur a dit aussi, mais bon. Tu leur as dit aussi. Mais ils savent très bien, même si tu leur dis pas, ils savent très bien que là-bas on va pas les laisser faire. Mais ils bloquent maintenant, ça sert à rien, on doit tous aller là-bas. Attends, je crois que je vais aller prendre le coach en plus. Tu veux la radio familiale ou pas? Non, même pas. Ça y est. Arrête-toi vite fait, je vais braquer quelqu'un, je vais aller chercher une coach. Parce que celle-là roule pas. Vas-y, en vrai, arrête-toi. Non, mais là, faut pas qu'on perde de temps par contre. Tranquille, moi, il faut arriver là-bas, ils vont ouvrir le camion, ils vont se barrer, on aura pas de temps. Moi, il suis chaud, justement, on les surprend et on les braque maintenant. Quitte à tirer, tant pis. Là, hein. Maintenant tu veux? Maintenant là tout de suite? Mais bah le problème c'est que là... Attends, je parle doucement. Le problème c'est que là-bas ils pourront nous répéter, tu vois. Non mais si maintenant on le fait... Oui mais là le camion on peut pas l'ouvrir maintenant. On est obligé d'aller là-bas. Oui mais si on est... Oui mais regarde, une fois qu'ils vont être là-bas ils auront les armes. Tu comprends ou pas? Alors que si on les ramène là-bas on prend directement les armes sur nous et on est bien. On pourra le défendre. Ok bah passez tous devant. Tu vois ce que je veux dire? Passez tous devant la mule. Vous savez quoi? Faites leur pression avec l'otage que vous avez. Voilà, simplement, on a un otage à eux. Ils en ont rien à foutre, ça nous a dit. Eh ben, ils en ont rien à foutre, l'otage il va crever au bout d'un moment. Bien sûr, la Santa Maria va mourir, la vie de ma mère. Ma mère, la petite mère. Ils ont dit. Ils ont dit, ils en ont rien à foutre. Oui, parce qu'en gros, l'autre, comme il a dit, il faut pas tirer, il pense qu'on va jamais tirer. Ok, fais descendre l'otage, je le tue. Il va pas s'arrêter, il va tuer votre collègue, le Families. Non, ils en ont rien à foutre. Vas-y, remonte. Tu veux la radio au pire, Miguel? Il est où? Non, attends, bah non, il y avait le toit, ils s'en foutent, désolé. Non, me tue pas. Comment tu t'appelles? Pas ici. Je m'appelle Gator. Laisse-moi conduire. Ok. Laisse-moi conduire. Arturo. Non, c'est bon, au bout d'un moment, c'est bon. Attends, je prends le temps. Prends, c'est bon. Allez, prends. Ils ont fait un blocage, je crois. Non, c'est bon, ils changent. Y'a le cadavre de votre pote Gatori derrière hein, si jamais. Il est mort. Ils ont buté Gator. Oui, on l'a buté ton putain de Gator. Bah oui, fils de pute. Nique ta mère, fils de pute. Arrête. OK, quoi? Voilà. Ils sont au courant que Gator est mort, préparez-vous, ça va partir en couille hein. Ils sont énervés hein. Alors la tête de ma mère. Ils vont pas chercher le cadavre derrière, ralentissons, on est derrière vous. Non, ils s'en battent les couilles. D'accord. Je me suis un peu emporté. Ils vont pas aller là-bas avec les Poyosuke, je sais pas. Ah bon. Après, ils se démerdent. Les balles, ils ont lâché, ils sont partis. Oui, non, mais oui, c'est les Poyos. Ils sont partis chercher des véhicules. Pourquoi on n'a pas pris le. Ah non, ok, c'est bon. Mais nique ta mère, Lazaro, mais pourquoi il est con? Ah non, c'est bon. Je suis pas fan. Après je te dis on aurait peut-être pas dû le tuer Miguel hein. Enfin pas au moins... Non, il aurait pas dû. En fait là depuis le début tout le monde comprenait genre ok faut pas tirer c'est un collier d'immunité. Y'a pas de collier d'immunité dans la rue ici hein. Je sais, j'ai compris. Les balas ils ont voulu jouer comme ça c'est pareil. Là eux ils jouent comme ça, c'est pas grave. La félone blanche c'est pas me braquer tout ce qu'on. Ouais félone blanche et la noire. Pour moi, tu sais, on aurait dû soit faire un barrage, soit vraiment le. Il n'y a pas d'on aurait dû, ça y est, c'est la rue, il n'y a pas de je sais pas quoi, c'est bon. Ça tire pas. Oh, c'est plat, tout le monde, vous vous plaignez tout le temps, qu'il n'y a rien, etc. Ça y est, il y a les poyos, il y a les poyos. Il y a les poyos, il y a les poyos. Je t'explique juste. Oui, sa mère, hein, qu'est-ce qu'on fasse. Vous rentrez, passez par le parking à droite. Coupe tes phares. Dites même pas qu'il y a les poyos, dites même. Eh, prévenez même pas qu'il y a les poyos, prévenez même pas. Oh, je vais pas prévenir, t'inquiète. Ils viennent dire comme que les Vagos sont tués en famille, ces bâtards. Bah et alors, dites que c'est moi, m'en fous. Non, non, y'a pas de. Non, vraiment, il m'en fout, c'est quoi ce truc de merde là, ça y est. T'inquiète. Venez, venez tous, vous êtes tous les Vagos, venez, venez, venez. Attendez, on va discuter là. On arrive, je cherche un machin. Ça sert à rien de rester là-bas. Ouais. Attends, pourquoi y'a des sirènes là? Bah, parce qu'il y a les poyos qui suivaient le camion et ils sont venus quand même. Ils sont là, ils arrivent? Ouais, ils sont juste autour. Oh, y'a. Bon. Pourquoi y'en a qui ont tiré aussi? Écoutez. Mais c'est eux qui ont tiré. Venez, je vous l'ouvre. C'est bizarre, hein, je sais pas. Ils avaient peut-être des pots de coup de feu, non? Je crois en train de ça, non? C'est pas un totem d'immunité, les gars. Bizarre. T'es un sale chien, Miguel. Notre habitude, c'est terminé. T'es qu'une pute. Attends, hermano, attends. T'es un bâtard. Voilà. C'est ouvert, les gars. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, je sais plus. Oui. On se casse. Maintenant c'est plus notre problème. Quand tu t'arrêtes au milieu de l'autoroute et qu'il y a les flics derrière, il m'en bat les couilles, c'est moi, il est tué. C'est plus notre problème. Il avait te tuer toi aussi et tout ton gang de fils de pute s'il faut, il m'en bat les couilles. On se casse. Oh, il y avait carrément des gens. C'est bon Gonzalo. Les gars, tranquille, c'est le premier. Vas-y, regarde, prends en compte que c'est les Vagos qui ont gagné étant donné qu'il y avait l'otage. Va récupérer ton pote qui est en train de mourir là, qui est déjà mort. Je me suis juste arrêté au milieu de l'autoroute parce qu'il y avait des flics. Oui. Maintenant, prends en compte que c'est les Vagos qui ont gagné parce que clairement. Écoutez, là, tranquille, on va. Le prochain, on va mettre ça au clair. Juste lui là, du coup, c'était le gars là. Enfin, tranquille, vas-y, c'est bon. Non, mais c'est plus notre problème. Ouais, c'est bon, là, les gars, vous avez ramené le camion, on vous a passé, voilà. Mais c'est plus notre problème maintenant, faites ce que vous voulez. C'est toi qui as ramené le camion, c'est toi qui as gagné là. Si en gros, ce qu'on veut t'expliquer, c'est que. En gros, ce qu'on veut t'expliquer, c'est que nous, à partir du moment où on a fait le top départ, c'est bonne chance à vous et l'otage, c'est à vous de le régler. Eh, bref, c'est bon, Là, arrangez-vous. Vas-y, L'Orio, on se voit après. Va récupérer ton hermano. Ouais, je m'occupe. Ok, là, ils ont récupéré toutes les armas. Ouais. Ils ont récupéré toutes les armas. On va les péter pas ici, là il y a les poyos, faites gaffe, il y a les poyos qui sont là. Depuis petit on fascine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.